Parfois, ça fait un petit peu peur d'être autant impatient. Mais je suis certain que ce match va rentrer dans la catégorie des matchs inoubliables. Ces matchs qu'on a bien fait de vivre intensément et passionnément. Voilà pourquoi nous sommes tous réunis pour cet événement. Qui va l'emporter dans ce gros... Les conditions de jeu, vous le voyez, sont... en place pour un magnifique spectacle. Pour vous faire vibrer pendant ce match, le duo da Fonseca da Silva, la team Dada au grand complet. Et tout de suite du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1. Évidemment, quand on aime le foot, on a envie de vivre ce genre de moment. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. Et voici la composition de Montpellier. Dans le but, on retrouve Benjamin Lecomte. TJ Savagnier sera accompagné de Jordan Ferré au milieu de terrain. Et enfin, ce duo en attaque. Et le gardien s'emploie comme il faut. Un corner qui est bien ajusté. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Voilà, on connaît. Ouh, attention, ça bouge là! Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. En retrait. Voici. La casette. Le ballon pour Tagliafico. Et le centre en retrait dans la surface. Ah, c'est un ballon pour les gants du gardien. Joris Chotard. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Clinton Mata. Et ça arrive pour Clinton Mata. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Là, ça part au deuxième poteau. Oh non, il est complètement raté ce centre. Sur le côté, Montpellier qui a du champ. Attention la frappe. Et le gardien s'illustre bien. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et on est encore loin de sa meilleure version pour l'instant. Allez, on lui met 5 sur 10. Pas de but marqué, pas beaucoup de dangers créés. Pour l'instant, c'est une performance bureaucratique, administrative. C'est une constipation créative. Clinton Mata. Il faut s'entrer là-dessus. Et du mouvement pour aller porter le danger. Goal ! Et voilà le premier but de ce match. Celui qui fait beaucoup de bien au mental.
sur le chemin de but. Il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite. C'est magique. Voilà, le plus dur c'était de marquer le premier but. C'est donc arrivé dans cette deuxième mi-temps. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Tagliafico. Ouais, ça joue sur Matic. Alexandre Lacazette. Ah, le ballon est perdu, sur l'intervention. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Il faut qu'il prenne sa chance là. Et voilà l'égalisation avec ce but donc pour recoller à l'adversaire et pour relancer cette partie. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Puissance, placement, précision, il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfaitement exécuté. Ah, le score de parité est donc un partout. Le numéro 13. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Ou la frappe. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Olé, belle technique là. La casette. Et vu le peu de temps qu'il reste à jouer dans ce match, un but maintenant serait définitif. La frappe de loin et un ballon capté sans problème. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Cazerie. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah oui, c'est bien joué. Oui, la frappe. Fin du temps réglementaire et pas de vainqueur à l'issue des 90 minutes.